Hey YouTube, I'm finally on a server today. I'm going to be playing Minecraft. Madame, Monsieur, bienvenue à Stompron, à la une et le duel. This might be a real Minecraft. En rencontre, le Canadien rend hommage au docteur David Mulder, qui a joué un rôle important dans la carrière de plusieurs fois. Internet Semin est capable de belles choses lorsqu'il s'y met excellent repli pour sauver un but. Canadien profite d'une supériorité à mi-chemin en extérieur. Voici l'occasion en or pour piquer son air aussi. Son premier de la saison à l'aide d'un coup d'un canon. Dans ce jeu, il est comme le Canadien. Ex-Galchenia, si vous offre un point d'énergie en début de deuxième. Je vous suis sur le Okay, guys. Anyway, let's just continue. Oh. Wow. And I want to see if anyone else has Roblox. I love Roblox more than I love Roblox more than that, which is actually true. Today our video, well, part two, badly, is only going to be 7 p.m. minute, not 27. But there's even views in Minecraft. It's possible for there to be a noob in Minecraft. I hate Roblox. I mean, I love Roblox, but I mean, I hate the noobs. Because some people are such noobs and they're so annoying and they like to troll. Should I say love?
Control. Or should I say? Why is this guy chasing me? So for guys, I hope you're enjoying part two. Pittsburgh se sort avec une victoire de 2-1. Martin fait un peu plus de deux buts de Penguin. Oh, that's right, there's weapons in this game. Rangers sont des Flyers. Flyers rapidement à la porte. Rangers s'amène à 2-1 et remet à Wayne Cullen. Henry Plumquist par la jambière au tout dernier moment. On assiste à une fin inquiétante en deuxième. La tête de Michael Rockford entre en contact avec le coup de gauche de Jared Soule. I don't want to kill the new channel. Sadly, guys, there's only 10 more minutes left in this video. Lightning et les Blackhawks se s'affrontent pour la première fois depuis le match 6 de la finale de la Coupe Stanley. Comme en juin dernier, les Blackhawks ont les outils pour freiner la jeune attaque de Lightning. La chance est aussi de leur côté. La rondelle poussée par Cédric Paquette est longe, tout juste la ligne de but derrière son fameux commentaire. Les gardiens lui ont fait un show là-dessus, ses nerfs n'ont pas le temps de se reposer. Et ils ont même frappé le poteau. Les deux équipes retraitent au vestiaire sans avoir marqué. Et toujours 0-0 en fin de deuxième. Patrick Kane se retrouve en échappée. Qui sert à Goudreskis dans la porte. Les Johnson n'ont toujours pas voulu prendre du filet cette saison. Patrick a encore remercié ses poteaux. Johnson lance le feu. Alors toujours pas de but dans ce match après 3 périodes de jeu. La prolongation à 3 contre 3 ne dure que 17 secondes. Jonathan Toews scelle l'issue du match. There's a card. Can we steal it? Deuxième, le capitaine des Islanders se fait voler un but par le défenseur Robert Fortuna.
And the reason that this video is going to be short is I don't have enough time for today to have another 20-minute video. I don't have enough for those 30 minutes. Actually 64. Le quatrième round est vraiment difficile pour le Montréalais. Crawford part sans relâche, si bien que Jean est confus à l'appel d'engagement et se trompe de côté pour se retourner à son point. Il retrouve un peu d'avance en 8e. Jean perd sa meilleure frappe lors de ce round, une droite qui atteint solidement son adversaire. Encore une fois, c'est dans les dernières secondes du round que Crawford est le plus dans sorry that there's only 7 minutes left. I mean, I'm not 7, except not 7, I mean 5. Crawford poursuit Jean dans les câbles, légendaire. And I just want to say, what rude person! En soutien de Michael Zuski se bat pour la première fois depuis son unique défaite chez les professionnels en mai dernier. Il affronte le Ghanéen Ali Brooks. Sort de Montréal l'emporte sa mise hors de combat au 5e round et sa 21e victoire par KO. La première étape de la saison de Formule 1 se déroule à Pékin en Chine. Ce sont les débuts de Jacques Villeneuve dans cette série qui prend le départ sur le 12e. Il est marrant de voir des marmottes au circuit de Villeneuve, mais en Chine, ce sont des chats qui traversent la course. Et dans le même tour, Villeneuve entre en contact avec Antonio Félix da Costa. Les reprises ne montrent que la fin du contact, mais on voit clairement Villeneuve. Excusez dans sa voiture, ça ne donne pas le sourire à la Costa qui doit abandonner. À l'avant, Sébastien Buemi domine la preuve d'un bout à l'autre et remporte la première course de la saison. Il termine devant Lucas Di Grassi et Nick Heidfeld, Villeneuve termine 14e. Si le nouveau format de la prolongation à 3 contre 3 reçoit un accueil favorable en début de saison, c'est pas l'avis de tous. Parlez-en à Justin Martin qui a réagi après la défaite des Jets face au Maxime. Yep, sorry about that, guys. L'impact de Montréal voudra terminer la saison régulière sur une bonne note cet après-midi. Le 11 Montréalais pourrait grimper au 3e rang du classement. Player is all over the place. Including me, I'm player. But there's so many. Les dirigeants ne font plus mettre la main
qualifié pour la ceinture de champion du monde, vous avez des hommes des plus tard légers. J'ai un peu désigné par Tao Technique, vous avez un peu devant. Oh, à chaque départ, les hommes cherchent à se dépasser la plus grosse de plus en plus. Why am I dragging so slow? Ooh, what's that out? This is nice. This is beautiful. It must be a part. Well, I'm actually not drowning. Whoa. I'm not actually drowning. Wow. I just think this is beautiful. Any houses? No. Can you go inside a house? Okay, guys. I think it's just about time I end the video. Bye. Hope you subscribe and smash that like button. If you don't like it, don't subscribe and smash that dislike button.